Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Avec Assad, parce que l'objectif nous c'est avant Noël là, retirer mon lion dans la poussière qui est dans le TPT pour améliorer tout ça. Et donc, comme on connaît, depuis le commencement, nous nous servons avec ressources matérielles, les ingénieurs avec les ressources humaines, les ingénieurs, tout pour nous faire tout ça à faire. Nous avons commencé dans la réunion. Dans l'intersection à Rivière-Cazen, nous montons dans la rue Saint-Honoré, et puis dans la rue Saint-Demand, et puis nous arrivons à Bord-Extrac, et nous prenons une capoie. Je dis à nous dans la ville de la République, et nous avons pensé pour nous couper quadrilatéral. Actuellement, là, nous arrivons pour 2014. C'est là que nous avons campé pour le mois de décembre, là, et puis en janvier, pour nous commencer pour nous couper quadrilatéral. Par exemple, nous avons une difficulté au niveau de la réunion, les nous avons fait démarrer. Bon, ça a une balle fait que nous avons persévérance. Nous n'avons pas de travailler la journée parce que les étudiants qui sont dans l'école normale ont un peu de problème. Nous avons quitté la journée, nous avons prendre la nuit, nous avons travailler jour et nuit. À partir de là, nous commençons à travailler jour et nuit et les populations commencent à comprendre le travail. Le ministère de la République a fait la réunion. Nous avons regardé les travaux à venir fini. Tout le monde est ouais. C'est Manhattan qui a vécu. Conseil haïtien qui vivent à l'étranger. Les ouais, images, il y a demandé est-ce que c'est vrai, c'est Haïti. Après les amis, après les familles, ils ont dit est-ce que c'est Haïti. Les ouais, c'est Haïti. Pour nous, les étudiants, pour nous, viennent en face de la population en dans la réunion. Ça veut dire que les nous venons avancer dans le travail là, nous venons gagner une équipe, nous venons gagner une équipe, nous montons entre jeunes garçons et jeunes filles qui sont dans la zone. Nous avons assisté nous, nous venons faire que le travail là vient marcher bien et la population vient nous. Le travail qui fait dans la réunion, nous sommes honorés de travailler pour le travail à fait, même gens comme ça. Moun qui n'a aux alentours de chez nous, c'est un travail à faire pour savoir qui ça vous fait. Vous venez accueillir nous, vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour que vous fassiez des ordres pendant notre travail. Mais, comme nous, des fois dans la journée, nous avons des difficultés. Mais nous venons faire une stratégie, nous travaillons plus dans la nuit que la journée. Nous sommes obligés parce que les ministres ne viennent pas. Ils disent, monsieur, nous avons le choix, nous travaillons toute la nuit. Les ministres n'ont pas un problème, nous, c'est à vous autres, nous, c'est ministres sont coach. Nous-mêmes, c'est cette équipe-là, et l'équipe-là est composée d'ingénieurs français, qui sont chef de service SDCI, qui est assisté par ILER. Nous avons l'autre grand joueur dans l'équipe-là, qui est directeur départemental de l'OSL, qui est chef Joseph, qui est assisté de Raymond. Nous avons Foreman Boudo, qui joue et nous qui a frappé. Nous avons Foreman Rico, qui a frappé. Avec tout ce système-là, nous mettons en branle pour nous capables de faire le ministre en résultat, parce que depuis les ministres privés, dans le gouvernement,
tout le monde, toute la population a dit, peut-être qu'il sa président, le président te prend tout le temps ça pour te choisir un tel ministre. Nous pas dit c'est ministre Nadé qui peut faire plus performant dans le gouvernement. Non, mais la population lui-même, les juges, lui dit, le ministre est doué là depuis le commencement du gouvernement. Laisse ça, le peuple a bénéficié plus de bagaille dans le gouvernement. Là, c'est une fête spéciale. Et fête là, elle symbolise l'opportunité, la joie, la partage. C'est ça, fête là, symbolise. C'est bien dommage. Et nous-mêmes, la capitale là, nous avons un contexte spécial. Côté que nous avons gardé, il y a des vraies difficultés, il y a des grandes difficultés. Parce que nous avons un problème d'équipement, et nous avons un problème de payroll, nous gagnons. D'autres problèmes encore. Mais côté que la population, même c'est pas ça, nous-mêmes, nous cherchons la maison, nous cherchons qu'on est qui ça nous vient pour nous faire. Et nous ne pouvons pas fuir. Et ça nous vient comme responsabilité. Responsabilité, nous c'est garder comment nous sommes capables de propre ville là Bali pour nous dire à ces villes là. Il y a un programme qui est lancé depuis le 21 par PM Jout, qui avec divers partenaires dans l'État, tout comme Bravo Public, CNI, SNGRS. Qui gagnent eux-mêmes là pour ramasser ordures, ramasser fatra dans la ria. Côté que mairie a lui-même gagné pour responsabilité, mettez moun dans la ria, aller sensibiliser moun là ca yo, mettez fatra dehors, propre la ria, empiler fatra pour l'autre institution ça eux-mêmes pour venir plus tard ramasser. Tout comme moi-même m'étais dit dans la rencontre ça, nous pas qu'à arrêter la logique pour CNI, travaux publics, SNGRS venir ramasser. Parce que les noms semblent fatra, pas oublier fatra, c'est des bagages qui sont très légers, vent capable toujours regailler fatra encore. Si nous-mêmes nous avons une mission pour nous ramasser fatra, que les gens ne peuvent pas comprendre, nous pensons que nous avons fait autrement. Et c'est une raison qui fait, avec mes moyens et faibles moyens que nous gagnons, ou après nous toujours gagner des camions que nous mettons dehors qui pour faire enlèvement, malgré ça, par la prorogative, par nous, malgré ça, par la mission par nous. Mission par nous. C'est sembler fatra yo pour instance pour société là yo pour ta ramasser. Mais c'est bien dommage. C'est pas ça moi qui a fait. On pas ouais côté fatra yo après ramasser vraiment vrai. Moi fatra yo empilé, il faut qu'on ramasse. Moi même m'a continué lancer appel ba partenaire yo pour me dire yo jodi a 24 décembre population pas qu'à continuer passer fête Noël là la fatra toute année à te passer là. Et mandé yo pour faire une grosse diligence pour venir lever fatra yo parce que moi même mission pas me faire déjà c'est ramasser fatra yo c'est baler l'aria moi baler mais chaque fois fin baler nous quitter dans l'aria il a retourné dans l'aria même gens encore parce que vent l'a soufflé l'a gailler fatra yo même gens et il y a des monde tout qui toujours passer qu'a gailler fatra yo mandé ou soit chercher dans fatra yo pas connait mais toujours on bagaille a chercher dans fatra yo mais je dis à ma place rappelle là pas partenaire ça donc là le double du fort pour regarder comment on capable de lever fatra yo dans l'aria pour nous permettre de passer une bonne fête Noël dans la porte. Nous avons des gens qui ont fait des trois jouets et nous avons des kits. Nous faisons des cadeaux tout. Et nous avons des gens qui ont fait un petit job dans cette année. Côté que nous avons employé 2000 personnes à 5000 gouttes qui baillent un total de 10 millions de gouttes. Rotary Club Pétionville Sud qui organise l'activité ça. Comme nous connaissons que Noël c'est on fête l'amour, on fête de partage et généralement c'est Timounio qui fête. Et nous te voyons que gagne grand monde et surtout grand monde qui démuni yo, nous avons tendance à oublier. C'est comme ça que nous avons décidé que année ça, qui c'est premier fête Noël que club nous a organisé parce que nous sommes jeunes clubs qui prennent naissance le 25 septembre 2020, nous avons décidé pour nous organiser en fête Noël pour grand monde. C'est comme ça que Josie, hein, nous avons offert un petit bagage qui preuve l'amour que nous avons pour nous.
un kit alimentaire et puis avec kit hygiénique. Nous-mêmes, ce n'est pas distribution seulement que nous faisons. Je dis à l'occasion de la Noël, nous profiter de l'occasion ça pour nous faire une distribution de kits alimentaires et de kits hygiéniques. Mais nous avons pile domaine que nous intervenons là-dedans. Par exemple, depuis création, nous intervenons, n'est-ce pas vrai, dans le domaine éducation. C'est comme ça que nous avons une grosse activité nous mené avec le Collège canado-haïtien. Côté que le Collège canado-haïtien a fait des coups de rattrapage pour environ 1000 personnes qui étaient sortis dans l'autre école, dans le lycée, etc. Nous avons participé là-dedans. Nous avons participé tout dans la lutte contre la pandémie COVID-19. Nous avons organisé plusieurs conférences nationales et internationales. Nous avons organisé des séances de dépistage de diabète et d'hypertension artérielle. Et très récemment, pas plus que dimanche dernier, nous réalisons une grosse clinique côté nous à près de 400 personnes et dans le centre médico-social de Thomasin 25. Et là, nous avons fait non seulement nous avons fait prévention, mais nous avons fait traitement de maladie. Nous avons une commission communale Pétionville, Alexandra Roumain, félicite l'initiative. Là. Je pense que c'est un gros geste que vous faites. Et si tout le monde a collaboré comme ça, je crois que grand pile petit monde a bouché dans le pays. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de joindre nous. Son babé a cherché pour lui. D'accord? Eh bien. Passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.